Merry Christmas and Happy New Year. Eh, vous avez vu? Vous avez vu cette tasse magnifique spéciale gauchère? Ou gaucher, c'est comme tu veux. Mais voilà, il n'y a rien derrière. Donc c'est pour les droitiers. Vous verrez même pas. Vous ne pourrez pas vous la péter sur YouTube ou ailleurs pour vous montrer ce magnifique dessin magnifique que j'ai acheté à Maison du Monde. Voilà, donc il y a des mugs, c'est pas de tasse, des mugs spéciales gauchères pour boire un café, un thé, un grande, un ricoré. Voilà, donc je suis contente d'avoir cette tasse, voilà. Mais bon, assez parlé de café et de what else. Bienvenue pour cette vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline, alias Chouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver en ce 28 décembre, jour où je n'ai pas mon petit dernier qui fait... Oui, une petite tempête, oui. Monsieur Tempête, qui n'est pas là, qui est chez la nounou le dernier jour. Et donc, j'en profite de venir vous voir. Bien que je ne pensais pas venir du fait qu'il y avait une coupure de courant dans ma résidence depuis hier soir. C'était merveilleux. Et c'est revenu vers midi. Donc, le temps que je recharge le téléphone, mes petites lumières. Et puis me dire, attends, j'ai quoi à montrer, je sais plus. Ben voilà, me voilà dans un état plutôt serein. Oui, ça va. Je vais bien, ça se passe bien. Noël s'est bien passé, on verra pour le nouvel an. Mais quand vous verrez cette vidéo, bah, le nouvel an serait passé. Donc voilà, mais de toute manière, c'est à la maison et ça sera fondu au chocolat. Voilà. Bon, on se prend pas la tête parce qu'on sera tous les six de toute manière. La semaine dernière, enfin dimanche dernier, on a fait fondue bourguignonne. À nous six aussi. Oui, je viens d'acheter un appareil à fondue il n'y a pas longtemps. Faut que j'entalibilise hein, parce que bon, on comprend tout à fait. Et donc là, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire fondue au chocolat parce que bon, bah, la fondue bourguignonne, ça n'a pas plu aux enfants. La fondue savoyarde, j'aime pas ça. Je crois que j'ai eu un traumatisme du fait que une copine de mes parents mettait beaucoup de kirsch dans de la rage. Je sais pas quel fromage qu'ils font dedans, mais je ne vais pas savoir. Et donc la voix c'était bon. Voilà. Je sais pas si. Je sais pas s'il faut mettre de l'alcool d'ailleurs là-dedans, mais bon, ouais. Et donc voilà, donc on a passé un bon moment, on s'est bien gâté, c'était vraiment sympa, on était bien tous les six, c'était tranquille. Voilà ma petite dame. Oui, j'ai eu mon anniversaire. D'ailleurs, merci pour vos messages, vos commentaires qui étaient tout mignons, et aussi des petits cadeaux que j'ai eus pour Noël aussi, pour mon anniversaire, des petits cadeaux patronesques. Enfin bref, je me fatigue. Voilà, je suis fatiguée quand même. Non, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée, merci infiniment pour vos mots, surtout pour vos mots réconfortants pour mon chat. Coucou, Didou. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bienveillance et ça, ça me touche énormément. Et donc, je suis ravie aussi que vous ayez pu trouver ma vidéo dans le méandre des vlogmas des copines, des copines, des youtubeuses, you copines. Et donc, ça fait plaisir que vous passiez par là et que vous ayez aimé cette ancienne vidéo. Cette ancienne, oui, c'est très vieille, hein, le mois dernier. Hein. Elle est has-been, cette ancienne vidéo, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet terminé mais en différé. J'ai filmé auparavant avant l'envoi du cadeau et un autre objet terminé. Beaucoup d'encours. Ouais.
et pas mal de projets à venir et des achats laineux. Bah ouais, faut pas déconner, hein, c'est j'ai eu une vente éphémère à Arc-Iris, pas le choix quoi d'y aller. Et puis bon, j'ai une tricopine qui est allée au CSF, je l'ai vue au Tricobière. Voilà quoi, j'étais j'avais pas le choix, voilà, elle a gagné un concours pour aller au CSF, je lui ai dit, si tu vas devant Fouti, voilà, vas-y. Voilà, donc je vous montre tout ça, donc prenez un café, un tricot ou une autre boisson, mais avec la tasse qui va bien, même si c'est un peu passé, quoi, parce que c'est passé de mode maintenant. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je vais vous montrer mon ce que je porte. Voilà, c'est un magnifique pull que j'ai tricoté en octobre 2019. Il est magnifique, j'adore. Il est magnifique, il est très beau, il est très doux. Il est lavé avec Myrlène. Non, il est lavé avec Swak. Swak. Voilà. Et il fait plein de poil et de bouloches. C'est le Fisherman de Alice Hammer qui est censé être tricoté, c'est quoi cette moumoute, qui est censé être tricoté en angora de chez Fonti, mais j'ai envie de dire que j'étais pas prête à ce moment-là de le tricoter de l'angora et je n'ai toujours pas eu la chance de le tricoter. Et c'est un pull que j'ai tricoté avec alors la base là, enfin le fil épais, c'est de la Sugar Baby Alpaga, coloris Martini. Coucou Karine, qui en a parlé pour faire ses mitaines maudites. Et le mohair, c'est de la Silky Kid, non, si, la Silky Kid de crème queue, le coloris 47 ou 57, donc un gris violacé clair, donc ça fait un côté chiné qui est vraiment sympa. Donc c'est un pull qui est vraiment magnifique, il fallait atypique au niveau du tricot. On commence par une manche, je vais pas tout dire, on commence par une manche en aller-retour. Après, vous faites tout le corps des deux côtés. Enfin, on divise le devant. Enfin, le devant, oui, le devant et le dos. Après, on rassemble le devant et le dos pour finir la manche. Et après, vous relevez les mailles de côté en faisant des rangs raccourcis. Et après, vous tricotez tout en jersey pour faire une finition. Hop, c'est des côtes. Des côtes 1-1, voilà. Et je l'aime beaucoup, il est large, mais qu'est-ce qu'il est bien, voilà. J'aime pas les pulls loose, tout ça, mais alors celui-là, qu'est-ce que je l'aime. C'est un pull vraiment... voilà, j'aime beaucoup. Je l'adore, je suis très contente de l'avoir réalisé. Et ouais, il était pas long à faire. Enfin, je l'ai tricoté en 4,5. Ouais. Je crois que c'est en 4,5. Je crois que j'ai fait une fiche rêverie quand j'étais... quand j'avais du temps, enfin quand j'avais l'envie aussi, surtout, de faire une fiche rêverie. Je suis naze pour au niveau des fiches rêverie. Je vous dis que, voilà, je suis sur Instagram et sur Ravelry, mais Ravelry, c'est juste... Oh, des patrons. Oh, j'achète des patrons. Oh, voilà, c'est surtout ça. C'est vrai que va falloir que je prenne un temps pour que je puisse remplir ma fiche Ravelry des tricots que j'ai réalisés, en fait. Je le remplis surtout pour les tests, ce qui est normal. Mais alors, pour les projets perso, oh, j'arrive pas. Je n'arrive pas.
Mon premier objet terminé, et c'est le pull que je vais vous montrer. Avant, c'était un objet en cours de dur labeur d'ailleurs. Pardon, j'ai eu un cadeau, j'ai eu un autre rhume, mis à part. Enfin, mis à part. En plus d'une otite de mon fils, et puis après, en revanche, j'ai eu une laryngite, tout ça. J'ai eu une immunité de merde depuis un bon bout de temps et c'est dur à gérer, c'est dur. Mais voilà, on va aller. Super, tout va bien. Donc, je vais vous présenter donc dans une autre vidéo. On va faire un voyage dans le temps. À la Once World, ce sera qui m'est rigolo. Le pull, le Festive Yoke. Allez, c'est parti. Hey, coucou du passé, petit gens du futur. On est le 19 décembre et je viens vous voir pour vous présenter le pull que j'ai tricoté pour ma maman, à savoir le Festive Yoke Sweater de Skinder Knits. Donc le voilà, il est terminé. Je peux pas faire un trou en arrière. Je vois pas. Vous pouvez pas me voir, mais bon. Donc voilà, je l'ai terminé. Il a des petites manches, il a le petit corps. Donc voilà, c'est un pull qui est censé être en full jacquard. Enfin, vous avez le choix entre soit le full jacquard, soit juste le yoke, d'où le mot festive yoke. Et j'ai réalisé trois types de diagrammes, presque les trois premiers de la demande, enfin de la demande, de la du patron. En fait, vous avez plusieurs diagrammes, ce que vous avez envie de faire. Moi, j'avais envie de faire des étoiles des neiges, sapin de Noël, et puis les petits rennes d'Enawel. Ça, c'est pas un sapin de Noël, c'est un sapin tout court, voilà. Et j'ai fait un rappel sur les manches des petites étoiles des neiges. Je l'ai terminé vendredi, donc le vendredi 15. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué, et dès que j'ai vu qu'il était sec, je me suis aperçue qu'il y avait un petit souci, à savoir que les rangs raccourcis étaient sur un côté, mais pas sur le dos. C'est bizarre. C'est à moins que je suis une quiche en anglais, je ne sais pas, je n'ai pas vu. J'ai relu le patron, mais je n'ai pas trouvé où il fallait remettre au milieu et faire. Enfin, remettre au milieu le début de rang ou le tourner pour qu'on puisse faire bien mettre les manches, tout ça. En fait, il s'avère que le début de rang était sur un côté, donc à savoir d'où les rangs raccourcis, vu que vous avez le repère du début de rang pour faire les rangs raccourcis. Mais à la fin du yoke, il me demande de relever directement les manches. Je suis ok, pas de problème. Voilà, j'ai suivi à Capricou, à la va vite, enfin pas à la vite, mais voilà, je lis, il met que je peux l'anglais, hein, mais je lis quand même, donc je ne sais pas. Et il s'avère que, voilà, il y avait un rang raccourci sur le côté. Donc je vois ça le dimanche, et oh merde, parce que je voulais l'envoyer lundi. Donc, résultat, non. Et donc, j'ai demandé un petit coup de main à une copine, à Laetitia, coucou Laetitia, pour savoir. Je me dis, mince, alors c'est tout bête, hein, mais maintenant j'y pense, oui, c'est logique. Mais c'est de reprendre à partir, si je pouvais reprendre à partir du début du diagramme, enfin, un rang avant le diagramme, pour faire les rangs raccourcis à l'envers et faire les côtes à la fin, quoi, en fait. Et elle m'a dit que oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai pris un fil de survie. J'ai mis une file de survie. Et puis après, j'ai fait les diminutions, j'ai fait les rangs raccourcis. Et puis, j'ai fait les côtes, quoi. C'était fort sympathique, mais sinon, voilà.
Bon, bah, j'ai retricoté un fil déjà tricoté, et donc il est un peu rêche, mais bon, bah, on voit la différence, hein. Par rapport à là et là, j'ai beau avoir bloqué, mais... Bon, on va dire que c'est le dos, on voit pas trop, voilà. Voilà, voilà. Alors, donc, l'explication du patron, c'est que vous commencez par le col, hein, évidemment, hein, en faisant un... Moi, j'ai fait un montage élastique, à savoir le montage... Moi, je le fais à plat, déjà. Je reprends le montage de joueuse de pelote, toujours. Donc, en côte 1-1, mais après, vous contrariez la deuxième maille, la deuxième ou la troisième, pour que vous la puissiez tourner, pour que vous puissiez avoir des côtes de 2. La deuxième maille avec la troisième maille. Après, bah, vous faites... Les rangs raccourcis. Donc, faites gaffe. Et après, bah, vous commencez en faisant des augmentations. Votre yoke, votre diagramme de jacquard. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris une deuxième couleur pour faire les petites étoiles. Et puis, voilà, que ce soit un peu plus festif, un peu plus joli, quoi. Après, bah... Attention, quand vous divisez, vous séparez le corps des manches, hein. Ou lisez correctement, je sais pas, je n'ai toujours pas lu, je vous le dis là, mais entre-temps, je n'ai toujours pas lu le patron, enfin, je l'ai lu avant, mais je n'ai toujours pas trouvé la chose. Et donc, voilà, vous déroulez la manche. Moi, j'ai fait les manches parce que je savais pas trop. En fait, j'avais acheté la quantité de laine pour faire tout en lieu. Tout en jacquard. Et arrivé fin novembre, je me suis dit non, c'est pas flemme, mais quand même, c'était trop fatigant. Donc je me suis dit non, c'est pas la peine. Après, bah, j'ai fait tout en vert, voilà. Heureusement que j'avais acheté une bonne quantité du verre, parce que sinon j'en aurais pas. Bon, non, j'aurais pas fini. Donc j'ai commencé à faire les manches. Il faut faire des diminutions. Moi j'ai fait tout droit, je fais ça va. Et après, je me suis dit que faire une petite, un petit jacquard avant les côtes, ça serait pas de luxe. Donc je trouvais ça très sympatoche. Hein. Voilà, donc j'ai repris, comme je vous ai dit, j'ai repris l'étoile de neige. L'autre côté, c'est magnifique. Et après, bah, on finit par des côtes de 2, et j'ai fait le rabat avec Xiaowei. Et puis, hop, j'ai déroulé le corps, en veux-tu, en voilà. Aussi, le pull est censé être crop. Moi, je vois pas ma maman en crop. Oh, elle a beau avoir bientôt... elle va avoir 80. Hein. Et ben... Non, je me suis dit non. Même si elle fait 1m60, je me dis bon, on va pas déconner non plus. Donc voilà, j'ai fait 30 cm plus les côtes, donc ça fait 34. 34 cm en dessous des côtes. Et puis voilà, on finit avec des côtes de 2 avec une finition de la Xiaowei Design. Donc voilà. Donc voilà ce petit pull, alors je l'ai tricoté en 4. Alors Skinner Knits a préconisé 4 en full jacquard et 3,75 en comme ça. Sauf que bah quand j'ai tricoté la laine, c'est la Bio Shetland de Bessie Garn. Et ben je préférais j'avais l'échantillon mais en 4. Donc bon bah. L'échantillon en 4 normal comme ça, donc bon bah allez, hein. Allons-y gaiement. Donc voilà, je l'ai essayé, il est très moulant, hein, parce que j'ai fait une taille 2, c'est taille 90 en tour de poitrine. Il est très moulant, ça va, ça me va très très bien. Ma maman a une petite poitrine, donc je voulais qu'elle ait, enfin elle veut quelque chose, elle voulait quelque chose près du corps, donc bon bah j'ai fait près du corps, voilà. Que dire de plus?
Bah, que c'était un très beau projet. J'ai bien aimé le tricoter. La coupe, la forme. Alors, je l'ai essayé, oui, mais comme je dis, très moulant. Mais j'aimais bien cette finition, enfin, sur le fait que ça soit moulant, tout ça, ça fait pas très ringard. Donc, je trouvais ça très très joli. Même mon mari a dit que c'était joli. Bon, la dernière fois que je l'ai essayé, c'était avec le rang raccourci là. Qui est un style, évidemment. Hein. Bref, mais ce n'allait pas avec le style du pull, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et non, il est. La forme est sympa. Non, il est très joli. Et ouais, ça me dirait bien de me faire un pull de Noël pour l'année prochaine. Mais bon, ça, on verra. Je sais que l'année 2024, ça sera l'année du jacquard. Hein. Jacquard et brioche, ouais. Moi, j'ai envie de ça. Mais bon, j'ai d'autres projets en tête depuis 3-4 ans que je me dis, bon, peut-être que je le fasse quand même. Hein, j'ai la laine pour. Hein, j'ai toujours pas vendu ma laine que j'ai achetée il y a 4 ans. Hein, 3-4 ans. On va peut-être les faire quand même. Hein, puis on va arrêter d'en acheter. Hein. Voilà. Donc, maintenant je suis contente, je vais l'emballer. Si je vais l'emballer en tant que papier cadeau ou je le mets directement dans le carton. Parce qu'en fait, j'ai préparé des petites étiquettes que j'accrocherai. Bah là, je vais accrocher une petite étiquette. Il faudrait que je trouve une petite étiquette juste histoire de dire le devant et le derrière. Et j'ai fait une petite carte que j'accrocherai avec sur l'étiquette. Avec un petit fil, ça. Et j'ai fait une petite carte de Joyeux Noël, maman. Voilà. Hop. Puis après, j'ai pris pull tricoté main. Pull de Noël tricoté main. Lavage à la main. Puis bon, bah voilà. Avec Diop de cœur. Voilà. Je me suis éclatée hier en faisant de l'aquarelle. Voilà. Et puis j'ai fait de même pour les chaussettes de mon papa. Voilà. Donc, Noël Joël, papa. Donc voilà, j'ai repris, vous voyez, j'ai repris la même couleur que mes chaussettes. C'est magnifique, c'est trop beau. Et donc voilà, chaussettes tricotées main à la main. Voilà. Fait quelque chose de tout simple. J'espère que ça va leur plaire. Voilà. Je suis éclatée à faire leur petite carte de vœux très personnalisée, quoi. Voilà, donc ça, j'ai fait ça à l'aquarelle, avec des feuilles aquarelles, et bon, j'ai fait au pifomètre au niveau du. Bah, la largeur, j'ai fait plus petit que la largeur des chaussettes. Et je me suis dit, ouais, je mettais 1,5 cm d'épaisseur pour qu'on puisse bien les accrocher, et puis bon. J'avais l'idée de mettre le fil là-haut. D'où le fait qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il y a du blanc là, mais je suis un peu couillonne aussi. J'ai pas pensé que ça allait pas s'accrocher. Donc j'ai fait en plein milieu, donc ça fait un peu pas jojo. Donc là, bon, bah, il y a mon mot qui est coupé en deux, mais bon, c'est pas grave en soi. Et puis, bon, voilà, j'ai cousu avec une aiguille à laine que j'ai, la plus fine que j'ai, qui pique. Donc j'ai pu trouver facilement mon carton, enfin, bah, mon papier aquarelle. Et puis voilà quoi, donc j'ai pris un fil d'un reste de fil, c'était du coton. Voilà. Donc voilà, ça fait une petite étiquette bien sympathique. Donc je vais faire de même avec le pull de mon maman. Je vais lui acheter une gourmandise made in ma ville. Il y a la marque qui s'appelle Étiole, hein, ma ville. Voilà, vous savez où j'habite. Vous allez m'embêter maintenant. C'est la maman d'un copain de ma grande qui tient l'entreprise Douceur d'Étiole. Ils font des spécialités maison, savoir confiture, tout ça. Ils ont commencé ça pendant le confinement et ils se sont dit, tiens, on va faire une petite entreprise exprès pour ça. Et donc, ils vendent maintenant des pâtes à tartiner, la confiture. Je sais pas si c'est comment on dit, des tartinables, un truc comme ça. Et j'avoue que
J'en ai pas encore mangé. Alors, je peux pas vous dire que c'était approuvé, mais ma copine Christelle m'a approuvé que c'est très bon. Et elle, qui déteste le ketchup, lui a fait goûter le ketchup et elle a aimé le ketchup de Douceur d'Étiole. Donc, ça peut être une bonne idée. Du coup, je vais voir au supermarché où je vais y aller. Où j'achète mon manger. Ils font une revente là-bas, donc il y a une tête de gondole de la marque. Je vais voir ce que je pourrais prendre pour eux. Ça fera une petite confiserie ou enfin quelque chose à manger, un petit goodies à manger pour Noël. Voilà, donc ça c'est une bonne idée cadeau. Je trouvais ça sympa. Je les ai vus au marché de Noël à côté de la maison. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter ça pour ma Secret Santa organisée par Même des Anges Tricotes. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire de même pour mon papa et ma maman. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu vous dire pour les cadeaux de Noël. Voilà. À vous le direct. voilà. Donc voici mon joli petit pull porté par ma maman. Elle est toute mimi. J'ai eu peur qu'elle soit trop petite, mais ça lui va très bien. Bon, comme vous pouvez voir, les manches sont un peu grandes. Mais bon, le fait que ça soit bouffant, c'est pas trop gênant. Donc voilà, non, elle est toute contente. La réaction de mon père, ça m'a surprise. Déjà, bon, lui, ça lui a plu au niveau des chaussettes. Elle rentre. Merci Sophie, au fil de la ruche. Merci Sophie. M'avoir montré les bonheurs du talon boomerang, qui est juste magnifique et qui rentre, tout ça. Et donc, il était tout content. Et il a dit, mais le pull de maman, putain le boulot! Oh, dis-donc, c'est quoi ce gros mot, papa? Oh, 80 ans, bientôt 81! Oh, dire ce gros mot, j'étais outrée, vous voyez quoi? Et donc, ça m'a fait plaisir que mon père ait pu voir que c'était du boulot, même si j'aurais voulu le faire en total chacun. J'avais l'impression d'avoir fait pas grand chose en fait. Je me suis dit, non, j'ai de la flemme. Oh non, je me suis sentie flemmarde d'avoir fait que le yoke. Et juste histoire d'eux, j'ai fait du jacquard avant les côtes, quoi. Enfin bon, sur les manches. Bon, écoutez, putain le boulot. Voilà. Désolée, j'arrête de dire les gros mots, monsieur YouTube, je suis désolée. Voilà. C'est le rhume qui parle. Il y avait mon frère qui était chez mes parents et direct quand il a vu les chaussettes de mon père, il m'envoie un SMS. Moi aussi j'aimerais avoir des chaussettes. Donc j'ai dit pointure, couleur, coup de pied, beaucoup, 44. Oui, j'ai dit, il me dit, je sais pas, au niveau du coup de pied, c'est quoi un coup de pied? Je dis, là où tu fais un coup de pied. Et il a essayé la chaussette de mon père, il m'a dit, bon, c'est un peu serré, j'ai eu du mal à l'entrée. Donc, j'ai déjà fait c'était un 72 mailles. Ah, on va faire un 76, c'est limite 80. Moi, je sens que je vais faire le 80 en 44. Bon, on va viser le 100 grammes de laine, donc voilà, il me dit n'importe quelle couleur, je fais ok, donc j'aurai quelque chose de rigolo, donc je vais prendre peut-être aussi la même base, la chraie pièce, la Danton, et puis au niveau coloris, il est très coloré mon frère, donc ça c'est cool, donc je vais m'éclater au niveau couleur, je vais voir, mais je vais pas faire de jacquard, hein. Je vais faire un tube, enfin non, pas de tube, talon boomerang, yeah. donc voilà, donc j'ai une commande, bon je le ferai, je sais pas quand, je le ferai peut-être pour Noël prochain, je ferai peut-être deux paires, comme ça, ça lui fera plaisir. Non, ça me fait plaisir de faire des chaussettes pour quelqu'un d'autre, voilà. Mais bon, on verra bien si ça lui plaît ou pas, voilà. Voilà la petite histoire des cadeaux de Noël.
Concernant les étiquettes, mon père a rebondi dessus, c'était vraiment sympa, enfin il a bien aimé. Maman n'a rien dit, mais il me dit que c'est du boulot, il m'a dit que c'était des étiquettes dignes de Louis Vuitton. Oui, non, bah oui, parce que Louis Vuitton fait des étiquettes à l'aquarelle, évidemment. Tout à fait. Mais bon, ça fait. Non, ça me touche au cœur. Donc, genre, je crois que je vais postuler à Louis Vuitton pour demander si je peux avoir un métier, un boulot en tant qu'illustratrice d'étiquettes de chaussettes. Voilà. Je suis très contente de les avoir fait, de les avoir réalisé, de l'avoir réalisé. Bon, la prochaine fois, enfin, je réfléchisse pour le cadeau de maman. Bon, mon père, c'est sûr, ce sera des chaussettes. Ça, c'est bon. Et pour maman, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être faire un autre pull de Noël un peu plus rigolo, je sais pas. Et elle m'a dit qu'elle aurait voulu un châle en brioche, donc. Parce qu'elle savait pas ce que c'était. Je lui ai dit, c'est quelque chose de trop doux, trop doux. Ah, c'est trop bien. Donc, je lui ai dit, ça, c'est un pur moment où tu t'emmitouffes et t'es trop bien. Voilà. Donc, j'ai bien vendu le truc. Je lui ai dit, je n'en vendrai rien. Bon, bah, écoute, je vais t'en faire un. Je vais essayer de me mettre dans l'éventuel test. De même les anges tricotes. Éventuellement, hein, pour faire une brioche pour le thé. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Laetitia. Oui, c'est tellement discret, je sais. Je suis tellement une fille très discrète. En parlant de Laetitia, mon deuxième objet terminé, c'était le châle pour le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbizarre, que j'ai réalisé avec des restes de laine et mon calendrier de l'Avent de 2021 de chez Une Louve dans les Bois. Je suis contente parce qu'enfin, je les ai utilisés. Ouh, enfin, je suis contente. Donc voilà, bah, je vais vous présenter. Donc je ne sais pas si vous voulez le faire, en fait, c'est le châle. Un Noël à New York, donc de Laetitia, même les anges tricotent. Et donc, bah, si vous voulez passer, je sais pas comment je vais faire, mais passer. Mais Pauline et Laetitia préparent un cal à partir du 1er février. La possibilité de le tricoter et à avoir les mini-échevaux, donc de chaque coloris, de chaque saison, quoi, en fait. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, je n'ai pas vu. Oh, Macao! Je n'ai pas vu les vlogs masse, les vlogs de Pauline! Oh mon Dieu! Donc voilà. Bref, je vous montre cette bête. Oui, c'est une grosse bête. Voilà. Donc, hop là. Donc, je vais pas tout montrer, mais je vous vais être une photo prise quand il était en train de sécher. Donc voilà, donc magnifique bébête. De tout beauté, de coloris, de ouf. Enfin, les coloris de ouf, c'est un peu de moi, avec des restes de moi, et beaucoup d'Ingrid, d'une louve dans les bois. Donc vraiment très joli. Bon voilà, bon, ça fait un drôle de fade, mais on fait avec ce qu'on peut, madame. Hein, voilà. Donc voilà, c'est un joli châle composé bah, de 24 mini. Et en commençant par le premier indice, en faisant une petite étoile des neiges. Mon cœur amoureux. Voilà, voilà. Et après, bah, on s'amuse à tricoter en rond, en faisant différents points. Je montre ça, tac. Donc bah déjà du point mousse rayé, après du point mousse en faisant aussi un peu de brioche, hein. On met un petit peu. Non mais bon, s'il n'y a pas de brioche, c'est pas Laetitia quoi en fait. Voilà quoi. Du petit point mousse avec du jersey et à ce moment-là, après cette petite dentelle, on commence à diviser. De la petite bébête. Voilà.
Après, on a les différents points. Je ne vais pas tout dire. Mais voilà, c'était sympa. Bon, je veux dire, bon, bah, il y a du GRZ, des mailles glissées, du point mousse. Oh, la brioche! Une petite dentelle fort sympathique, une belle dentelle fort sympathique aussi, du jersey rayé qui est vraiment sympa aussi à réaliser. Un petit point, je sais plus le nom, elle l'a dit et je l'avais dans la tête et je me souviens pas. Voilà. Ah oui, si, les mini nappes. Ah, je vous ai pas dit, il y avait des mini nappes. Des nop top, il y avait où avant? N'était pas là. Et c'était où? Bon, qui sont? Bon, d'accord, je me souviens plus. Ah oui, ils étaient là. Ils étaient dans la dentelle. Les petites nappes, elles étaient dans la dentelle. Voilà. Coucou. Donc voilà, c'était très mignon. C'était fort sympathique à faire. Et là, non, là, c'est une dentelle fort mignonne, fort sympathique. Une dentelle, des nappes... Les nappes, en fait, c'est un coloris plus l'autre ancien coloris, donc c'est rigolo. Et donc voilà, et bien sûr, je montre. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà. Non, en fait, j'ai eu un petit souci avec ce coloris-là. C'est que il m'en manquait. Donc j'ai remis une autre couleur qui est juste après ce coloris-là. Enfin voilà. C'était sympa. Je voulais tellement ce coloris-là, il me restait 14 grammes, j'ai perdu, j'ai perdu. Enfin, je vais vous montrer l'autre côté, voilà, hop, celui-là, ça sera plus simple, vous verrez au niveau des couleurs. Après, il est pas plus flagrant parce que ce coloris, il se rapproche beaucoup avec celui-là, donc voilà. Après, encore une petite brioche, alors, tricolore même, parce qu'en fait, c'est trois coloris différents que vous faites dans cette brioche-là, mais en unicolore. Vous avez compris. En fait, c'est des... Il y a un coloris là, un coloris là, un coloris là, et qui fait un petit rappel. Ben, vous voyez là les différences. Après, du rayure avec un coloris, et rayure avec la fin de coloris. Et j'ai ma bague. Hop. Je me suis accrochée le doigt. Donc voilà, tout est en chevron avec des augmentations là et des diminutions en plein milieu là. Voilà, coucou. Alors je l'ai testé, mais il reste encore une petite manip à faire pour raccorder les deux iCord en fait, parce que bah, vous rabattez en iCord à la fin. Donc après, vous reprenez, vous faites un petit grafting pour que vous puissiez faire style que ça, c'est, ouais, c'était fait comme ça. Et là, on va pas tarder à avoir les résultats. Le tout dernier indice pour faire le raccord. Voilà. Donc on attend, nous attendons patiemment. Voilà. De toute manière, il fallait que l'étole soit bloquée pour que on puisse que ça soit bien bien droit pour qu'on ait la facilité pour reprendre les mailles pour faire la finition. Donc voilà. Donc c'est un châle assez long. Alors il fait 80 cm de largeur. Alors, j'ai pris mon tapis de yoga qui est plus un tapis pour faire des galipettes pour les enfants, parce que j'ai compris que le yoga, bah, ça m'énerve. J'ai utilisé pour ma grossesse, et puis quand j'ai fait en 2018 avec Laureline au fil de l'eau sur Instagram, je te fais des gris bisous quand si tu me vois là, si tu me regardes, j'aime pas dire ça. C'était Knitting Spirit qui avait organisé un atelier tricot au yoga. Donc voilà, j'ai essayé le yoga vinyasa. Enfin voilà, pour ces personnes qui savent. Ouais, c'est bon. Alors je suis souple, hein, c'est cool. Mais alors au bout d'une heure, on dit faire la position du corbeau. Donc je sais pas si vous connaissez, mais la position du corbeau où vous appuyez
Et vous mettez vos pieds là, sans tomber. Faut pas déconner non plus. Ah bah, j'y suis pas arrivée, hein, c'est bizarre. Hein. J'ai fait... à tomber carreau. Tant pis. Mais bon, voilà. Après, on a tricoté des guêtres que je n'ai pas terminées. Dommage. Et donc, voilà. Bon, c'était fort sympathique. C'était un bon moment. C'était vraiment bien. On a rigolé. C'était vraiment sympa. Mais là, c'était le moment où je ne connaissais pas du tout le monde merveilleux de Ravelry et d'Instagram, les vidéos YouTube, les différents tricotés, tout ça. Elle organisait à ce moment-là les tricotés à l'oisiveté. Et donc, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Enfin, je devais y aller à un moment donné, puis non, c'est trop loin à Paris. Sinon, hier, j'étais au tricoté Montparnasse. Mais non, c'est trop loin à Paris. Voilà. Ma petite... petit contradictionnage de ma tête. Voilà, donc voilà, cette magnifique étole. Pour le mettre, je ne sais pas si ça se fait, mais... Voilà, donc c'est bien, c'est coloré. Mais j'avais envie de faire un... Vous savez, là, à la mode, là, je ne sais plus du tout comment ils font. On fait comme ça, on fait comme ça, et puis... Ah voilà, c'est ça. Bon, en version... À l'endroit, c'est plus clair. Non, c'est ça, à l'endroit, oui. À l'endroit, et puis, on met... Voilà, cet effet-là. Hey! Mais c'est sympatoche! Hop! J'ai vu ça, et c'était des jeunes qui tenaient la patinoire de ma... de... Ah, comment ça s'appelle? Du... Enfin, c'est une petite patinoire de... avec du plastique. Enfin, patiner sur la plastique. Sur du plastique. Oh, comment ça s'appelle ? Ah, c'est le marché de Noël. Presque de ma ville. Et en fait, elle se mettait comme ça. Et je trouvais ça super sympa. Après, bon, moi, je sais pas si ça fait classe, mais... Hey ! Mais non, mais c'est très, très, très joli. C'est... C'est l'enfer de la mode. Enfin bref, voilà. Non, bah au moins, elle est hyper longue. Donc, je disais qu'elle faisait... Elle fait plus de 2 mètres. Hein, j'ai envie de dire 2 mètres 60. Parce que je vois par rapport aux 2 mètres de mon tapis. Et j'ai mis 30 cm... Enfin, 2 fois 30 cm. Oui. 2 fois 30 cm de mes carrés de blocage, donc voilà. Voilà, non, je trouve ça joli. Donc voilà, donc il faut toujours commencer par le vert, hein, évidemment. Et puis, il faut toujours commencer, terminer par du rose, voilà. Parce que, voilà, mon arc-en-ciel, c'est comme ça. Il n'y a pas d'orange et bim, merde. Voilà. Bon, enfin, s'il y en a un petit peu quand même, mais pas trop vert. Voilà. J'essaye de ne pas dire trop voilà, mais voilà. Je la plie, voilà, donc il faut plier comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Voilà. Donc on va passer aux en cours, aux objets en cours, aux projets en cours. Et encore noyeux Joël. Et bon néné. Alors, mon premier objet, projet, bon bref, en cours, projet en cours, voilà. C'est un test que je me suis mise comme ça, je fais, bon, je pose ma candidature, je ne sais pas du tout comment ça se passe, etc. Mais j'y vais, mais j'ai peur. En fait, j'ai postulé un test du pull de Marjolaine de l'atelier La Case Avant, qui est magnifique, ah, tout simplement, voilà. C'est un pull en yoke avec une très belle dentelle là, une très belle dentelle là, et puis derrière hein, aussi,
J'ai postulé sans plus parce qu'en fait j'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient postulé sur ma taille. Et je suis ah, c'est dommage, je peux pas. Enfin, je voulais postuler pour cette taille-là. Tant pis, c'est pas grave, de toute manière, je l'achèterai. Faire enfin, non, c'est bon, y a pas de souci, vas-y, viens. Voilà, plus il y a plus y a des testeuses, plus il y a de. On voit qu'il y a des erreurs ou pas. Je suis ok, pas de souci. Après, je vois pas mal de personnes qui le faisaient soit en DK, indiqué en laine, quoi, indiqué en mérino et mohair. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas tout ça, en fait. J'ai pas beaucoup de mohair. En fait, j'ai 4 échevaux de mohair et 2-3 pelotes de mohair. Mais en gris. Puis là, j'ai un peu marre du gris, en fait. Je me suis dit, mince, je vais voir au niveau de la pernelle de chez Natissea, au niveau de l'échantillon. Et je le ferai soit en pull manche longue, soit en pull manche courte. Et j'ai 7 échevaux de cette qualité-là. Je lui dis, bon, je vois. Donc, j'avais un échantillon de pernelle de 10 grammes, un truc comme ça. 5-10 grammes, je sais pas. Et je tricote, j'ai fait un échantillon en 4,5 et en 4. Et il s'avère que le 4 allait bien. Alors, en hauteur, oui. En largeur, ça allait pile poil. Mais vraiment, pile poil. Après, je me dis, voilà, mais par contre, le 4,5, il allait largement bien en largeur. Ça tombait bien, voire un peu large. Mais alors, par contre, en hauteur, c'était pas possible, quoi. Donc, non. Donc, je me suis dit, moi, tiens, je vais faire un pull. Ce pull-là, qui est un peu plus pull doudou pour l'hiver, je vais faire, tiens, un pull de printemps, limite été. Peut-être faire en manche courte. Ou pourquoi pas le manche longue, je verrai en fonction de ce que je peux faire. J'ai commencé, voilà. Donc c'est du chanvre, 100% chanvre, donc la pernelle, 100% chanvre, de chez Natissea, et le coloris c'est framboise. Donc ça je l'ai eu suite à un sample que j'ai réalisé pour Mathilde, donc la personne qui se cache derrière Natissea. Pour réaliser le comme je vous ai si vous suivez bien hein, et vous le savez j'ai réalisé le gilet Carantec de Marguenet pour elle vu que c'est une collaboration non, pour elle Mathilde vu que c'est une collaboration avec Marianne je vais arriver. Donc voilà en cadeau elle m'a dit écoute prends ce que tu veux c'était lors du trail tricot. Et je lui dis, écoute, voilà, elle me dit, je lui dis, est-ce que je peux prendre la pernelle? Je lui dis, oh, oui, tu peux prendre, c'est le même prix, vas-y, prends les 7. Vas-y, je prends les 7, il n'y a pas de problème. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais me mettre à 7 quand même, je vais pas faire top, enfin, faire plusieurs tops, quoi, ça craint. Et puis, je me suis dit, non, c'est une évidence, je vais faire avec, pour faire le pull Marjolaine d'Hélène de l'atelier La Case Avant. Donc voilà. Donc voilà, j'ai commencé quand? J'ai monté cette bête le samedi 23. Non, vendredi 22. J'ai eu une castonite. C'est pas bien. Je déteste faire des castons. Enfin, faire des castons, sachant que j'ai des projets en attente. Mais vu que ça, c'est pour le 9 février. Je me suis dit, il va falloir que je m'active, sachant que j'ai un autre test. Je me suis lancée sur un autre test pour Laetitia mes mises en tricote. Ou l'Hélène, je les montrerai. Un projet à venir. Et il s'avère que c'est pour le mois de mars. Mais je me dis, bon, il va falloir que je m'active pour faire tout ça. Sachant que le 1er janvier, je dois castonner avec eGinger91, donc Valérie, coucou, coucou ma belle, pour faire le Apin Bloom, ou le Autumn Bloom, enfin,
Mixmax. D'ailleurs, je remercie encore les personnes qui m'ont offert ces deux patrons, à savoir Nathalie Smooth pour le Alpine Bloom et ma chère et tendre Alice is Knitting, qui m'a offert le Autumn Alpine, Autumn Bloom, bref. Le même, mais en automne. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément. Alors, donc, c'est un, comme je vous ai dit, c'est un pull en UO. Voilà. Là, j'ai fait un rang de montage comme je fais d'habitude, le rang de montage de joueuse de pelote. L'alternative cable Caston, je sais pas comment on dit, mais non, je n'arrive pas. Ou l'italienne Caston. Voilà, hein? Je suis désolée. Non, je fais le montage de chez joueuse de pelote. Donc, vous commencez à faire vos côtes. Donc, voilà, c'est des côtes torses, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et après, à la fin, j'ai rassemblé la dernière maille avec la première maille pour faire l'assemblage. Voilà, après j'ai plus qu'à prendre bah, le fil, ce fil-là pour l'assembler quoi, pour que ça soit plus joli. Voilà. Donc voilà, un certain nombre de centimètres en côte, puis après on commence à faire le yoke en dentelle. Oula. Oh, je perds mes mailles. Oh mon Dieu! Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le chanvre, eh ben, si on les perd, eh ben, on les reprend facilement. Et ça, c'est génial. Youpi! C'est un. Alors, je l'ai fait. J'ai tricoté ça au tricoté Montparnasse. Alors, après une pinte, c'est un peu compliqué. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, je suis passée à un autre projet en cours parce que bon, c'était un peu compliqué. Mais non, c'est un projet. La dentelle est très facile à suivre. Enfin, moi, je suis le diagramme et le diagramme est très clair et très facile à faire. Et pour une personne qui est habituée, on sait facilement le lire rapidement. Alors, il est tout à fait possible à chaque section de dentelle de mettre des anneaux marqueurs pour les repères. Moi, j'en ai pas besoin. Parce que je suis tellement pro. Non, c'est que j'avais tellement la flemme de mettre les différents anneaux marqueurs. Ouais, c'est bon. Mais je me suis pas trompée. Je touche du bois pour ne pas encore me tromper. Non, je ne. Non, encore me tromper. Non. Je ne touche du bois pour ne pas me tromper. Tout court. Voilà. Et non, c'est un projet vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Même chose que le linéaillé, je le tricote avec des aiguilles en bois parce que je trouve que ça adhère mieux et ça ne glisse pas. Et voilà, le chanvre, c'est la première fois que je le tricote, en fait, ce fil-là. J'entendais que non, c'est trop rustique, c'est trop serré, j'ai l'impression de tricoter un filet de cuisine, tout ça, bref. Bah c'est vrai que c'est un peu réticent, mais tout le monde disait à la fin que le rendu est top et il est ultra frais, ultra léger. Alors, je pense plus à la fin au rendu, quoi, tout à fait de ce fil, mais franchement, je suis agréablement surprise de le tricoter en fait. Il est super top à tricoter en fait. J'ai adoré, j'adore, j'adore. C'est un fil qui est vraiment un coup de cœur fin d'année 2023. Oui, parce que le chanvre, on le tricote en décembre, évidemment. Ouais, il n'y a pas eu de saison, ma petite dame, donc on fait comme on veut et on fait comme on peut, hein. Franchement, je suis ravie de ce fil. Voilà, et puis bah, ce coloris, quoi, framboise. J'adore les framboises. Et bah écoutez, je suis ravie. Donc je vais faire ça au plus vite. Je voudrais à tout prix finir le yoke et faire la séparation du corps-manche. Voir après ce que je peux faire
concernant le corps, enfin le corps, les manches. Donc je vais tricoter tout le corps. J'aime pas faire ça, mais je préfère, en fait. Enfin, là, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix parce que je ne sais pas si je vais faire des manches longues, des manches trois quarts, ou laisser manches courtes juste après la séparation. Donc, je ne sais pas. Je verrai à ce moment-là. On verra bien. Mon deuxième objet, projet, en cours. Voilà. C'est Y. C'est le châle. Non, pas le châle. Le col que je réalise pour mon fils. C'est le Gartner Snake. Ouais, c'est ça. Gartner Snake ou Gartner Stitch. Non, je sais plus. Il y a un mot. Il y a un serpent dans le coin. Cool. De. Voilà, le nom. Voilà. Hein? J'ai tout noté, mais dans un cahier que je n'ai pas là, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle, non, c'est pas drôle. Voilà, donc c'est le fameux col que l'eau demoiselle a pu faire pour son cher et tendre. Je réalise, je trouvais ça vraiment sympa, et voilà quoi, la brioche, c'est la vie. Et donc, je l'ai monté le même jour que le pull marjolaine. Parce que j'avais fini les côtes et je me suis dit, non, je vais pas commencer à faire la dentelle tard le soir. Donc, j'ai monté mes mailles pour faire cette magnifique chose. Donc, voilà, c'est un plaisir de le tricoter. Je le tricote avec les laines. Donc, je le tricote en 3,25. je tricote avec la Edelweiss Alpaga de chez Crème Que sous le boule, donc coloris noir et coloris gris. C'est le gris le plus foncé. Attends, je vais vous dire. Oh là là. Je me dis oui. Alors il y a un coloris qui est 52. Hein, Edelweiss. Son emblème, je sais plus quoi. Bref, mélodie du bonheur, ah ouf! Donc voilà, 52 et 56, hein, c'est mieux à l'envers, ou à l'endroit, chose comme tu veux. Voilà, tuc, voilà. Je ne sais plus lequel est lequel, et j'ai trois pelotes de chaque. Donc là, j'en suis vraiment tout au début. Mais qu'est-ce que c'est tout doux. Donc là, ouais, comme j'ai dit, je tricote en 3,25. Je sais pas si je vais le tricoter en 3,5 avec, pour mon mari, pour qu'il ait un peu plus de largeur. Je sais pas. Je vais voir ce qu'il en est, sachant que c'est pas la même laine. Là, il y a de l'alpaga, d'où le nom. De l'alpaga et de polyamide. Ouais, voilà. Et de la laine vierge. L'alpaga, il n'y a que 10%, donc 65% de laine vierge, 25% polyamide. Oui, c'est censé faire pour les chaussettes, pour les talons renforcés, enfin les talons renforcés. Pour les... c'est les contrastants, en fait. Ça sert surtout à ça. J'en ai utilisé pour les chaussettes pour mon papa. Et du coup, je me dis tellement que c'est doux, ça doit être bien chaud, d'où le alpaga, hein, évidemment. Là aussi, j'adore, je suis bien dedans. Écoutez, je me dis peut-être que ça lui fera plaisir, et pour le moment ça lui plaît, et puis moi je trouve bien sympa comme coloris. Bon, j'aurais voulu qu'il ait de l'orange, vu qu'il adore l'orange, quoi, mon numéro 2. Mais non, là il voulait que ça soit assez discret, donc... Autant le faire discretos. J'ai son bonnet à faire, le hipster hat, qui est un gris, il est gris foncé. Faudrait que je fasse la même chose. Hein. Ça peut être rapide, mais j'ai envie de brioche. J'ai envie de faire de la brioche. Mais qu'est-ce que c'est flippant, je me dis, j'ai trop d'encours là, c'est pas possible. J'ai le sexy bac à terminer, d'ailleurs, les copines
Petit Mérino et la Miss Knitter, donc coucou les filles. Elles ont terminé, moi je les ai pas terminées. J'ai pas... Non, c'est pas possible. Donc voilà. Non, mais après, elles ont un peu commencé avant. Mais bon, voilà. J'ai le gilet coffee que je fais avec Emma, les pas d'Emma. Coucou ma fille, ma fille. Coucou ma fille, ça va ça? Eh, je suis fatiguée. Coucou Emma, tout court. je l'ai pas du tout avancé, parce que moi j'étais en mode Nawel. Et après j'en ai d'autres quoi, enfin j'ai enfin ça c'est les deux là sont endormants, j'ai ces deux en plus que je viens de monter, et j'ai j'ai le châle un jardin d'hiver de Crystal Elka, voilà. J'ai toujours pas avancé, je suis toujours à la section 2, et puis bah voilà, je n'ai tout. Mais depuis qu'on s'est vu, je ne sais pas si j'en ai... Si, j'en ai fait... J'ai fait quelques rangs, mais je ne l'ai pas touché. J'avoue que je commence à flipper, en fait. J'aime pas avoir des beaucoup trop d'encours. Pardon. Je cherchais où est le kiki... Où le kiki, la tête de mon cake. Mais voilà, je... Ah, je panique. Mais bon, voilà. Et il faut que je monte encore un autre... Voilà, ça, c'est vous dit. C'est... J'aime pas. D'habitude, je suis au mono en cours, voire 2 et 3. Mais là, ça fait 2, 4, 6, 7, bientôt 8, 9. Ah voilà. Et puis, bah, c'est pas des petits projets, quoi. Bon, ok, si, le col, ça va. Mais bon, quand même. Le troisième projet en cours, c'est un cadeau pour mon mari. J'espère le terminer pour la Saint-Valentin, qu'on soit tous les deux en amoureux, en regardant PSG Real Sociedad. Ce sont des chaussettes que je fais pour lui. Donc voilà. Alors, il voulait des chaussettes, parce que bah il a pris goût aussi quand il a essayé les chaussettes de mon père. Dit, oh, c'est vachement bien, on est bien dedans. Alors après, je pensais que c'était la Downton, mais bon... Le souci, c'est qu'il voulait pas des chaussettes à rayures, 4 rayures, tout ça. Mais il voulait des chaussettes noires. Je dis, oui, mais non, là, faut pas déconner, quoi. Donc, quand je suis allée avec Karine, la Miss Knitter, à la vente éphémère de chez Arco Iris Yarn, sur un fil à Orsay, oh, je me suis dit, bon, il va falloir que je prenne un coloris discret. J'ai pris le tombeau des Lucioles, quoi. Voilà. Bah, il voulait du noir, hein, voilà. Mais bon, voilà, bon, ça fait un beau petit pooling. Hein. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Mais c'est pas un pooling, c'est un pooling grillé. Moi, je trouve ça sympa, en fait. Puis ça fait... Bah tu, en fait, quand tu vois le coloris, tu te spoiles du film, en fait. J'avoue, je connais l'histoire, j'ai vu des extraits, je n'ai pas vu le film. Je suis psychologiquement pas prête, mais j'ai compris le concept. Ça brûle. Voilà. Qu'est-ce qui brûle? Je sais pas, mais bon... Heureusement, il n'y a pas du couleur rose. Ah si, un petit peu de rose. Il hein, faut penser que c'est de l'eau, des os. Quand tu fumes, voilà, quand tu brûles des os humains, ça fait de la fumée rose. Bref, là, bref. Ouais. Donc voilà, donc j'en suis à... alors j'ai fait... Je tricote ça en 2,5 parce que je trouve que ça va plus vite. J'aimais bien l'idée du 2,25, mais bah, il s'avère que c'est hyper serré. Mais j'aime bien en 2,5 en fait. En fait, les 2,25, je les ai eus. Ah non, ça fait 10 en cours. Parce que j'ai mes chaussettes que j'ai depuis... j'ai monté en février. Depuis mai. Voilà. Hein, voilà où on en est. Hein. Mais non, mais c'est mes chaussettes à moi. Donc on s'en fout. C'est pour les chaussettes des autres. C'est encore mieux. C'est plus important. Voilà.
Et donc voilà où j'en suis. J'ai tricoté, j'ai monté 68 mailles pour mon chéri parce qu'il a le pied un peu plus fin que mon père. Je tente, voilà, et il s'avère que j'essaye les 68 mailles et ça passe. Donc, c'est intéressant. J'ai peut-être même essayé les 64 mailles pour moi en 2,5. Parce que j'ai monté 72 mailles en 2,25. Donc, je sais pas, au niveau probabilité, je ne sais pas. Probabilité, prorata, enfin, le mot là du écoésome, bref. Voir si c'est bien pareil ou pas. Pour nuit en croix, bon, bref. On en est à... Je sais pas. En fait, comme je vous ai dit, je reprends la recette qui est sur le site de Rascol pour les talons boomerang. Et donc, je reprends vraiment mot pour mot. Bon, sauf pour la pointe. Je me prends pas la tête. Hein. Je monte le nombre... demander et je fais les augmentations directes de suite pour que je puisse avoir le bon nombre de mailles pour faire le pied. Et je sais plus combien, je crois qu'il faut que je fasse de 22 cm à partir de la pointe pour que je puisse commencer à faire les talons, le talon boomerang. Donc voilà. Non, c'est un projet vraiment sympa. Je le mets un peu en dormant. Je voulais l'offrir pour Noël, mais je me suis fait une raison. Je ne pouvais pas tout faire. Et puis, la dernière semaine avant les vacances des enfants, il était là, il était en vacances, donc je voulais pas tricoter devant lui. Donc voilà, mais c'est pas grave. Je l'offrirai le jour de la Saint-Valentin en voyant que Paris est en train de gagner. Oui, ils vont gagner contre le Real Sociedad. Ouais. J'y crois encore. Ni manque quand on est fort. Ni manque. On a la foi quand on s'endort. Rage au ventre. Oui, j'y crois encore que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Voilà les projets en cours. Parce que faut pas trop déconner, faut pas trop montrer non plus. Mais voilà, non, c'est... le col, je vais faire en sorte de le faire au plus vite pour que mon fils ait... j'aurais bien voulu le faire pour qu'il l'ait avant la rentrée. J'y crois pas trop, mais bon. Et le col de... Parce qu'il a un col que j'ai fait il y a 5 ans. Ça lui allait bien là, quand il avait 5 ans de moins. Donc il avait 5 ans, vu qu'il a 10 ans. Et maintenant, c'est un collier, vraiment sympa. Mais ça lui plaît, tout ça. Alors je pense, en attendant, je l'étire en fait. Je l'ai fait avec de la Mary Wool de chez Weird Knitters. C'est un fil mèche 100% mérino. Donc je sais pas. Je sais pas si ça va le faire parce qu'il y a de la torsade. Il n'y a pas de dentelle, mais il y a de la torsade, donc je sais pas. Je vais tenter le coup pour l'étirer un peu, pour voir s'il peut l'avoir un peu plus haut, et puis que j'ai un petit sourcil en attendant si ça passe pour le moment, pour cet hiver. On verra bien. Maintenant, on va passer au projet à venir et à chaler nœuds. Alors, les objets... les projets à venir. Faudrait que je me paye. je commence à paniquer. Je fais, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Hein, vraiment. Voilà. Alors, le projet à venir, qui est un peu urgent. En fait, il y a Mathilde Natissea qui m'a demandé vendredi dernier... Ouais, le vendredi 22, savoir si ça m'intéressait de lui faire un sample pour un pull, un t-shirt qui peut se faire en pull, à savoir, j'ai mes petites notes sur mes papiers Lidlina, hein, parce que
Diddle Forever, toi-même tu sais, toi qui as grandi dans les années, fin des années 90, 2000, début 2000, en tant qu'adolescente, voilou. Le Lil Daisy de Lily and Stitch Knit, que je vous montre, c'est une collaboration qui a été faite le courant 2023. Et elle m'a demandé si je pouvais faire un sample avec la laine préconisée, donc la pernelle, mais avec un nouveau coloris, qui est le coloris Grenat. Je confirme que c'est Grenat. Grenat 2. C'est un... Waouh. Quand elle m'a montré ça, mais il est magnifique. Donc c'est un violine, en fait. Oui, c'est le coloris, en fait. J'adore cette pénombre vraiment sympatoche de cette journée. Il est déjà 17h, apparemment, d'après ce que dit mon cher étendre. Merci les lumières du port d'Alexandrie. Fond naufragé, les papillons de ma jeunesse, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, c'est le coloris Grenat, donc c'est un beau violine, vraiment sympa. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me va bien, dis donc. Oh, c'est joli. Voilà. Et donc, je serai rémunérée en pernelle aussi, et donc je suis très très contente, parce qu'il est magnifique, et j'ai demandé ce coloris-là, je suis, oh, c'est bon. De quoi faire un top en top ou en gilet. J'aurais le même problème avec comme la pernelle framboise, mais on s'en fout, il est trop beau, il est magnifique, voilà. Donc voilà, je dois le réaliser au plus vite, plus ou moins, parce que je dois lui rendre au prochain tricoté, non pas au prochain, celui de février, le tricot resto de chez Natissera à Boulogne, donc Boulogne-Billancourt. Donc voilà, ça c'est un projet que je dois faire, donc je dois faire un échantillon. Et voilà, moi je vois Mathilde qui avait commencé à faire un échantillon. Voilà, il est tout beau. Et je trouve ça super sympa quoi, en fait. Mais j'ai l'impression que ouais, le fil il est un peu plus régulier par rapport à au dernier. Là, il est hyper fin par rapport à celui que j'ai actuellement. Apparemment, oui, elle m'a dit que le fil s'est un peu plus amélioré. Je pense que c'était à l'écoute des personnes qui ont dit que non, le chanvre, c'est trop rêche, tout ça. Et... quand je vois là, le fil, il est vraiment, vraiment régulier. Je vais pas tout défaire, mais il n'y a pas de plusieurs épaisseurs, parce que quand je tricote le marjolaine, il est un peu plus... Il y a des irrégularités. Mais là, pour le moment, ça va. C'est beau, en fait. Donc voilà, ça, je vais monter sur les aiguilles. Enfin, je vais faire un échantillon. L'échantillon, c'est 24-32 en 3 mm. Déjà, quand j'entends 3 mm en 24-32, je me dis, oula, pour moi, 24-32, c'est 3,75. Et là, quand j'ai fait l'échantillon pour le pull marjolaine, c'est 20-28 ou 20-30, je crois que c'est 20-30, en 4,5, voilà, donc il y a un petit, c'est marrant, toutes les femmes sont différentes, toutes les designers sont différentes, tout ça, et leur, tricot est différent, leur tension est différente, mais... C'est vrai que là, waouh, 24-32 en 3, je fais, ouais, ok, bon, bah, je vais tenter, peut-être que le fil fait que en 24-32, je le tricoterai en 3, je sais pas, en 3, je teste le 3, 3,25 et 3,5, on verra, je pense pas le 3,75, parce que déjà, en 4, je tombe en 20-30, donc, on verra bien.
Donc voilà, il faut que je fasse ça incessamment dans mon sac Knitit où je ne suis jamais allée, hein. Je l'ai eu, c'était pendant le confinement, quand on a commandé le livre officiel du Knitit, le premier en plus, ouais. On avait ça en cadeau en prenant le livre, donc voilà, ouais. Très contente. Très contente. Après, je dois monter, bah oui, hein, le 1er janvier, je dois monter urgemment, enfin non, obligatoirement, mon Alpine Bloom, et que je n'ai oublié, que je n'ai pas changé de l'idée au niveau des coloris. Ça sera ça, et puis c'est tout. Voilà. J'espère que ça va le faire. Ça sera peut-être un peu plus discret, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, ce coloris-là, bah voilà quoi. Le martini du Hyuga Baby Alpaga de Wool on the Gang, voilà. Il est très beau. Et non, ça va être sympa. J'espère juste que ça va ressortir en fait. Les petites fleurs, tout ça. Bon, on verra bien, mais je m'en fais pas, mais voilà, ça va être sympa. Mais vais-je le terminer en même temps que Valérie? Je ne sais pas. Voilà. Mais je serais contente de enfin le tricoter, le monter. Voilà ce qu'il en est pour les projets à monter, projets à venir, parce que là je dois le faire. Les prochains, parce que j'ai encore deux projets à venir que je dois monter assez vite, mais bon, ça va aller. C'est un test encore pour même les anges tricotes, pour Laetitia. Pour le pull Lilian qu'elle a fait, elle a réalisé la capeline, j'arrivais, donc un col qui fait un mini poncho en fait, du nom de son petit dernier. Donc c'est un pull avec le jacquard de la capeline. Qui est fort magnifique et que j'avais envie de le faire, de le tricoter pour ma copine d'enfance, ma copine Karine, pour sa fille. Donc je vais réaliser le pull, je vais tester le pull en 2 ans avec les restes du pull de ma maman, à savoir le pull, le pull Festive Yoke Sweater, pullover, pardon, parce que c'est pas sweater, c'est pullover. Et donc, il s'avère que je devais faire le pull tout en yoke, hein, vu que... Mais bon, flemme, hein, évidemment. J'ai un écheveau entier du blanc, un reste de l'écheveau. Et vu que c'est de la bio Shetland qui est composée de 100% laine, et rustique, hein, quand même assez rustique, il y a pour 50 grammes 280 mètres, et vu qu'elle gonfle bien, je me suis dit que là, pour la taille 2 ans, ça tombe nickel quoi, avec deux restes que j'ai, donc ça va le faire, enfin bien le faire. Donc j'avais pensé à faire le coloris principal, les crus, et coloris contrastant, un vert, voilà, ce vert-là. J'espère que ça va lui plaire. J'avais pensé à faire avec le doré, ou peut-être faire un mix des deux, je sais pas, au niveau dans le jacquard, je sais pas, je vais voir. Mais je pense que j'ai largement assez pour le 2 ans, pour réaliser ce pull. On a le choix dans ce test de faire les différents cols. Mais je pense que je vais faire un col roulé pour qu'elle ait un petit peu chaud, parce qu'elle habite à Luxeuil-les-Bains, donc en Haute-Saône. L'adresse SL. Pas déconner non plus. Mais voilà, je voulais lui faire ça. Tout en même temps, j'enverrai le châle Wonder Woman, que je n'ai toujours pas fait, qui voudrait peut-être que je le montre, mais bon. Yeah, voilà. Et le bonnet Hipster Hat pour son cher étang, que je n'ai pas fait, évidemment, parce qu'il ne faut pas déconner, hein.
Caro, il faut qu'elle craque sur les tests, évidemment. Et le dernier que je dois faire au plus vite, parce que j'adore avoir des projets en urgence, c'est juste magnifique. J'ai ma copine, une de mes drôles de drames, que vous connaissez maintenant à force de m'en parler. Ma copine Emilia qui va avoir un petit bébé incessamment. Le terme c'est le 14 janvier, hein, voilà. Et je me suis dit, oh bah tiens, faisons une travel mode baby blanquette. Mais quelle idée! Mais bon, je me dis bon, je vais la faire et elle l'utilisera à bon escient. Si c'est. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je l'enverrai, mais voilà, faudrait que je commence. Et donc, du coup, j'ai fait une commande chez Kalidou pour faire cette magnifique. Magnifique blanquette de veau. Couverture. Je suis fatiguée, c'est bizarre. J'ai quand même dormi, mais non. Bon, c'est pas grave. Et donc, j'ai pris de l'Alaska de chez Drops. Alors, j'ai pris beaucoup de ce coloris-là, donc le coloris 02, donc c'est de lait cru. Et elle avait une demande, à tout prix, c'est d'avoir des coloris. Qui reprennent les coloris du drapeau guyanais. Et donc, j'ai eu une idée en reprenant les coloris du Guyane, donc à savoir le vert, le jaune et le rouge. Le futur papa est guyanais. Donc, je me suis dit que je vais rejouer à ça. Donc, je ferai un côté avec ce coloris là, donc olive et un vert forêt, un kaki foncé. Donc coloris 45 et coloris, hop, cache-toi, 51. Et puis le coloris pour le jaune, j'ai pris le coloris 59 et le coloris 58. Vive la Nièvre et le Nord. Voilà, je m'éclate. Loiret et Marne, si vous voulez tout savoir. Et coloris N. Voilà, 02. Et pour la petite frise, j'ai pris le coloris Aude. 11, voilà, bon. Voilà, oui, j'aime. J'ai la mémoire des numéros de département. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Voilà, alors, j'ai l'échantillon. La Travel Mode Baby Blanket, Travel Mabie, c'est de Suzanne, Sommer. Elle le tricote avec la Gilliatt de Dereum Natura. Voilà. Mais, je me suis dit, non, faut pas déconner, on va prendre de la drop, c'est sympa. Elle le tricote en 5. Moi, j'ai le bon échantillon en 5,5, donc c'est parfaito. Parce que je sais que Suzanne Sommer tricote assez lâche, et donc je me suis dit, bon, ça va, 5,5 c'est très bien, j'ai des aiguilles 5,5 en chiagou non interchangeable, c'est parfait, ça, je l'ai utilisé pour le Jura, le gilet Jura, que j'ai comme réalisé début d'année. Voilà, donc j'ai un peu tout ça à monter sur mes aiguilles rapidement. Mais bon, priorité déjà pour le Daisy, l'île Daisy. Déjà, il faudrait que je fasse ça au plus vite. Mais j'ai envie de terminer la dentelle du pull Marjolaine pour me poser, pour me dire, bon, ça c'est fait, le plus gros est fait. Je sépare le corps des manches. En fait, elle me dit le minimum qu'on puisse faire, c'est ça. C'est séparer le corps des manches. Et donc, on verra après. J'aimerais bien monter aussi le travel mode baby blanquette. Comme ça, je fais une section tous les jours, voire deux sections tous les jours. Enfin, ça dépend comment c'est positionné. J'ai pas lu le patron, mais je sais qu'il y a différentes sections.
Faut que je vois combien il y en a pour que je puisse me dire, ouais, faudrait que je le fasse en 15 jours, 3 semaines pour qu'elle l'ait le plus rapidement possible en fait. Au niveau achat, les nœuds. Donc, comme je vous ai dit, je suis allée chez Sur un Fil à Orsay avec ma chère et dingue. Ma meilleure amie, non. Non, ma super copine, non plus. Non, une très bonne tricopine qui est Karine, donc la Miss Knitter. Je suis trop contente de la retrouver parce que ça va faire au moins 2 ans que je ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2022, début 2022, pour Malakoff. La fête de la haine de Malakoff. Donc ça date un peu. Et je suis très très contente de la voir, tout ça. J'étais trop contente. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et donc, on est allé pour vente éphémère d'Arco Iris Yarn chez Céline Sur un Fil. Et il y avait plein de beauté, magnifique. Donc moi déjà, je pensais, faut que je trouve un coloris pour mon mari. Je prends que ça, hein, c'est tout. En toute honnêteté, je n'ai pas pris que ça, et évidemment, vous comprenez que c'est normal, hein, du fait que, en tant que tricoteuse accro aux laines, tout ça, j'étais obligée de prendre autre chose, hein, évidemment. Donc, en plus des tombeaux des Lucioles, je me suis pris un petit basilic fort sympathique en Dobby, donc la base Dobby 85% mérino extra fine et 15% polyamide, donc nylon, pardon, enfin, c'est pareil. Donc coloris fort magnifique, sympathique. Donc, j'ai acheté 2 écheveaux parce que je me suis dit Manu, donc Zebra Mamazoul, ça va lui plaire. Et donc je lui ai offert hier au tricoté à Montparnasse pour son anniversaire qui était le 25 décembre, donc voilà, anniversaire Noël. Donc je lui ai offert ça, et puis une petite pâte à tartiner de maison d'étiole, douceur d'étiole, pardon. Je fais la pépo, mais j'adore. Qui l'a bien adhéré. Donc elle me disait, écoute, je te ferai une commande. J'ai pas de problème. Voilà, donc c'est un beau petit verre avec des petits speckles marronnés, bleus, enfin vert forêt, tout ça. Et voilà, c'est un verre que j'apprécie énormément. Maintenant, je n'ai plus qu'un. Je me suis dit, je vais peut-être le faire en chaussettes, mais je crois que je vais me prendre une quantité pull parce que j'ai canon, quoi. Mais pas maintenant, et on verra après. On verra après, parce que là, pour les conneries. Mais j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup. Je vois bien avec le halou sweater. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Je vais voir, parce qu'on me l'a offert aussi, c'est Valou encore. Kathleen Otter Forever, qui me l'a offert, gentiment offert, donc ça c'est cool. Et je le vois bien. Ça peut être vraiment sympa avec un mohair qui va bien avec, qui peut atténuer ce côté rouille là, trop moche. Mais non, c'est pas moche. Bon. On verra bien, mais voilà, j'ai... Je suis très contente de l'avoir acheté, et ainsi que le tombeau du Luciole. Voilà. Ensuite, ma copine Coco Simba 91, Christelle, à qui je fais d'énormes bisous, a eu la chance d'aller au CSF. Début décembre, et j'ai pu la voir au Tricobière que j'organise à Mency. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller, si vous êtes dans le coin et si vous avez passé un bon moment,
Le tricobière se situe, se fait, mieux, au Stock à Mency. C'est un bar, concert rock, mais c'est un bar à bière surtout, mais qui aussi sert des softs, tout simple, mais il y a beaucoup de produits locaux, des boissons locales, enfin des softs locaux. Et de la bière locale, c'était vraiment sympa. Ouais. Et on passe des moments super sympas, convivial, vraiment. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est une unité qui est fort agréable, ouais, quoi, qui fait du bien au cœur, tout ça. Et j'ai été encore gâtée de la part de mes copines, quoi. Enfin, c'est... Voilà, bah déjà d'une, c'était pour les vœux laineux et pour les cadeaux enfin d'anniversaire. J'étais... voilà, quoi. Ça fait plaisir de me dire... qu'elle me remercie d'avoir organisé ce moment de partage, de ce rassemblement. Et ça, voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de sortir un peu de la maison, hein, surtout, et de rencontrer de nouvelles personnes... qui sont vraiment dans le mood tricot, et on n'a pas l'impression d'être fofolle, quoi, en fait, par rapport aux autres personnes, et ça, c'est top, quoi. Donc bref, j'ai été pourri gâtée à ce moment-là. Et donc, revenons à nos biquettes, ou brebis, brebis. Et... Bah là, on va parler plus biquette et... biquette et brebis, hein, aussi. Et donc, ma copine Christelle Coco Simba a eu la chance de gagner une entrée, grâce à Liz Taylor, ouais, pour entrer aller au CSF. Donc voilà, j'ai eu... et je lui ai dit, bah écoute, si tu y vas, si tu passes devant le stand de chez Fonti, est-ce que par hasard, pour faire une cumulus bouse, par hasard, est-ce que tu pouvais me prendre de la rondelle coloris 2022. Comme ça, hein. Au hasard, hein, c'est un nouveau coloris, on ne sait jamais, ils l'ont peut-être ou pas. Et bien sûr, c'est un nouveau coloris, ils l'ont. Et donc, je vous présente ce magnifique coloris. Oui, qui me va, je sais pas, mais je m'en fous, je voulais ce coloris violet. Il est trop mimi. Et je teste, mais non, il pique pas. Non, il pique pas, il pique pas. Et donc, voilà, c'est de la rondelle, vous avez dit, 75% mohair, 20% laine et 5% polyamide. Donc voilà, donc c'est de la bébête, la bonne bébête, 50 grammes pour 145 mètres. Voilà, et donc, je me suis dit que je vais le tricoter en simple. Aïe, parce que je le trouve assez épais. J'ai vu qu'il y avait quelques-unes... qui avait tricoté le cumulus blues avec cette base là et ils avaient pris, moi j'ai pris 250 grammes, donc 5 pelotes pour le faire, et le rendu était vraiment sympa. Alors peut-être que mon rendu va être un peu déjaugé, pas déjaugé, mais non, je le trouve quand même assez épais, pépère, hein, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Enfin, là, on va le faire. Hop, voilà, princesse Leila. Voilà. Mais... Leia. Pardon. Mais voilà, enfin, je... Oh, putain, ce coloris de ouf, quoi. Oh là là. Ah non, on n'y est pas. On n'y est pas, mais on aurait pu. Mais non, je voulais quelque chose qui pète, quoi, que ça change du vert et du gris, en fait. Et je suis très contente de l'avoir trouvé, et voilà, j'ai hâte de le tricoter. Puis elle m'a offert un truc tout mignon. Oula. De chez Aléfiche. Christelle m'a offert un truc tout mignon.
c'est un pins. Un pins. Hop. Un pins aimanté. Tic. Avec un petit chat. Je vous montre comme ça. Ça passe. Waouh. Un pins petit chat. Oula. Sans les poils, c'est encore plus mieux. Café. Parce que. What else, évidemment. Hein. Non mais où? Pas déconner. Hop. Hop là. Attends, voilà. On est mieux. On est au milieu. Bon. J'ai toujours pas de... Attends, je me cache. Non, j'ai toujours pas de focus, hein, évidemment. Mais non, c'est un chat, vous voyez. Bah, vous zoomez. Vout. Et c'est un chat qui est dans un café. Et c'est écrit café. Ouais, c'est... C'est tellement... Non, c'est tellement adorable. Et je trouve ça... Je trouve ça trop mignon. Je suis bien, bien gâtée. Voilà. Et puis, j'ai eu un courrier de la part de, une carte de vœux de la part de Miss Manu au naturel, qui me fête une bonne fête de fin d'année, hein, et son petit mot m'a touchée énormément, me disant que qu'il faut avancer du mieux qu'on peut, et ça m'a touchée énormément. Et puis elle m'a offert des petits anneaux marqueurs tout mignons. Mais voilà, ça m'a touchée énormément de m'offrir, qu'on m'offre une... qu'on m'envoie une carte de vœux écrite à la main. Et je sais que ça lui fait du bien d'écrire, et je suis très contente d'avoir la chance d'avoir cette carte, en fait. Et qu'elle pense à moi, en fait. Je vous avouerai que j'ai eu peur de lui avoir fait un peu mal au cœur du fait d'avoir parlé de mon chat et de la mort de mon chat. Et vu que ce qu'elle disait quand elle a su le décès, que ça l'a touchée, en fait. Et qu'elle pense, pour ces petites, qu'il y a une finitude, quoi, en fait. Nos animaux ne sont pas éternels, quoi. Et ça m'a touchée aussi. Même chose pour Sophie, Fifi Brunfield. Coucou. qui m'a dit, et coucou Manu, en fait. Et qui disait dans son vlogmas qu'elle a vu ma vidéo. Et on sentait qu'elle s'est réconfortée vraiment avec son chat qui est un peu plus jeune que mon Didou. Mais voilà. C'est... Je me sens un peu gênée d'en parler, du truc comme ça, mais fallait que je le dise plus ou moins, mais c'est la vie, en fait, c'est la vie. Je coupe un peu, mais non, juste pour vous dire, pour le moment, on prend pas de chat parce que mon mari n'a pas encore digéré le décès de mon chat, ce qui est tout à fait normal. Moi, ça va, c'est dur, parce que sa petite bouille me manque, tout ça. J'aimerais avoir un autre chat pour avoir une présence pendant que je suis à la maison. Certes, la maison est grande. Bidou, tu t'es. La maison est grande, mais voilà, c'est vrai qu'on sent... On entend des drôles de bruit. Ça doit être mon chat. Et quand Didou était là, il y avait des drôles de bruit. Je me dis, oh, ça doit être Didou, normal. Mais non, là, non. Donc, il y a peut-être un fantôme, je ne sais pas. Non, non plus, mais bon. Toujours est-il que ça me manque avoir une présence féline. Et les ronrons, quoi. Les ronrons... jouer un petit peu avec le chat, tout ça, ça me manque. Voilà. Les enfants, surtout la troisième, voudraient en avoir un. Un chaton, évidemment, parce que elle voulait voir l'évolution du chat, en fait, ce qui est normal. Et ce qui est beau, en fait, c'est beau de voir un petit chaton qui grandit, qui s'épanouit aux soins de la famille. Et qu'il y a une finitude à la fin, toujours, tout le monde meurt, hein, un jour. Voilà, c'est super, super. Bref. J'ai reçu, lors
lors d'un Secret Santa organisé par Laetitia Mémelusan Tricote sur son Discord. Discord des testeuses de dingue. Ah ouais. Ouais, je suis comme ça, moi. Donc Laetitia a organisé un Secret Santa, elle a commencé ça début novembre pour savoir si on était d'accord, okay, donc tout le monde était d'accord ou tout le monde n'est pas d'accord, voilà, enfin voilà. Et après, il fallait remplir un questionnaire pour savoir nos goûts, si, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'il y avait des demandes particulières ou pas, voilà. Et après, Laetitia a fait un tirage au sort et voilà, je suis tombée chez une personne qui habite dans le 78. N'importe quoi, dans le 95. C'est ma Secret Santa qui m'a mis dans le 78. Et donc j'ai pu offrir du mieux que je peux ce qu'elle appréciait. Je sais pas s'il l'a ouvert ou pas, mais je n'ai pas de réponse, donc je ne sais pas si ça lui a plu ou pas. Je lui ai offert deux mini échevaux du bruit des aiguilles, un coloris rouge et un coloris blanc. Je lui ai offert un coupe-fil chez Création Solonaut, en forme de lotus, une fleur de lotus. Je lui ai offert un pot de douceur d'étiole, parce que bon, je voulais montrer quelque chose d'artisanal de chez moi. Elle me disait qu'elle aimait le chocolat, le café, le chocolat-café. Et donc j'ai pris une pâte à tartiner, chocolat-cappuccino. Du bon, bon ça change, ça, c'est original. Ça. Et qu'est-ce que je lui ai pris aussi? Je lui ai offert des embouts d'aiguilles de Noël, quoi, voilà. Donc je sais pas si ça lui a plu tout ça, donc voilà. Donc on avait un budget maxi à mettre, et voilà, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, et puis bah voilà. Et moi, j'ai eu des petites choses fort sympathiques, attention au bruit. On va faire... Voyons, bon, il n'y a plus personne, bon. Donc j'ai eu une petite carte fort sympathique avec les explications, et là je me suis aperçue que j'ai oublié d'expliquer ce que je voulais, à quoi ça servait tout ça. Et donc voilà une petite carte joyeux Noël, voilà, ça vraiment sympa. J'ai eu des petits embouts d'aiguilles dit Papa Noël, vraiment mignon. J'ai eu une bague en forme de paon. Oups là, je vais vous montrer. Et en fait, elle sert à faire, à utiliser pour faire des jacquards, pour mettre le fil des jacquards. J'avoue que je la trouve magnifique, mais déjà, je sais pas du tout, je peux le mettre comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que... Faudrait que je teste d'ailleurs, mais je tricote pas du tout avec les trucs comme ça en jacquard pour avoir le fil d'un côté ou l'autre. Je préfère faire avec mon bras, ma main droite en fait. Je tricote toujours à l'anglaise et je passe le fil, je change le fil toujours avec ce. Voilà. J'arrive pas à faire, je mets d'un côté et hop de l'autre, j'arrive pas, je sais pas du tout. Donc voilà, mais je trouve super mignonne. C'est limite, ouais, moi je trouve ça sympa. Hey. C'est sympa. Non, je la trouve très jolie. Je la trouve très très jolie. Ensuite, j'ai dit que j'étais fan de chocolat noir. Et bah, j'ai eu du chocolat noir de Cameroun, noir 80%, de Cédric Turmel. Je sais pas d'où il vient. Ici, hein. Oh, non, il n'y a pas de... Non, ici, je sais pas où il est. Ah si, n'importe quoi. Apprends à lire Caro. Il est à Jouarre, Pontchartrain, donc dans le 78, dans les Yvelines. Et donc ça va me faire plaisir. Je sais que mon fils, mon numéro 2, on est deux accros de chocolat noir, donc je crois qu'il va pas durer longtemps.
Mais je crois que je vais le garder que pour moi. Non, je suis sympa, je vais lui enfiler. Je vais lui refiler ce petit boule-là. Celui-là. Pas d'autre. Non mais où? Pas déconner. J'ai eu aussi un petit savon. Un petit savon aussi qui vient des Yvelines aussi, de Villiers-Saint-Frédéric. Un petit savon au miel et orange douce. Les deux abeilles. Donc composé de 100% naturel, beurre de karité et de noix de coco, l'huile de colza, miel, huile essentielle d'orange douce, de pain et de pamplemousse. Argile jaune. Et donc ça, ça sent bon, ça sent bien bon. Et je suis très contente parce que voilà, c'est fait... C'est fait main. Et elle m'a créé de ses blanches mains plat. Un contrant, enfin, des anneaux marqueurs, je vous montre comme ça. Des anneaux marqueurs, différentes tailles, je trouve ça très rigolo. Donc ça, j'imagine que je peux m'amuser à les emboîter, voilà. En bois. Et elle m'a fait un contrant à chaussettes. Je trouve ça trop bien. En bois, c'est trop mignon. Et donc le but, c'est le petit mouton, enfin la petite abeille va chercher le mouton pour le piquer, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je trouve ça adorable, quoi. Donc j'aime bien la petite abeille avec sa petite dormeuse. Le mouton, c'est bon, reste là. Je trouve ça trop mignon. Alors l'effet des alvéoles en bois, je trouve ça super beau. J'ai trouvé ça adorable. Et pour finir, elle m'a offert une beauté chez Beauté, hein. Voilà, hop. Moi qui n'aime pas du tout le gris, surtout bleuté, elle m'a mal servi. Comment je suis trop deg. Moi j'adorais le orange, quoi, normal, quoi. Vous savez. Attends, j'adore, elle est trop belle. Oh, c'est tout doux. Alors donc, voilà. Et je vous dirai pas ce que c'est. Voilà, parce que c'est pas intéressant. Parce que c'est qu'à moi. Voilà. Alors, c'est de la plume de chez Eline Hélène, comme son nom l'indique. La Eline Esperluette Laine. Voilà. Donc, c'est de la plume. Donc, c'est 38% bébé alpaga, 37% pima coton, 25% de mérinos non superwash, 400 mètres pour 100 grammes, aiguille 3,5 et 6. Donc voilà. Donc je sens que je vais me faire un joli petit châle à un écheveau. Je ne sais pas lequel, mais pas le Venedia Shawl. Non, c'est bon. Il faut que je le fasse en 2024, le mien. Et non, je crois que je vais trouver encore un. Faire un. Un châle à un seul écheveau, et je vais voir ce que je peux faire. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Non, j'ai été touchée. Le bain, n'importe quoi. Le bain, c'est le 25 novembre 2023. Non, le coloris, c'est orage. Et il est vraiment beau, quoi, en plus. Alors, il y a des nuances de ouf, j'avais pas vu. Oh là là. Et donc voilà, j'ai été vraiment gâtée. Je suis très contente de l'avoir vue. Et oh là là, voilà, ça me touche énormément. Voilà mes petits cadeaux que j'ai eus pour mon Noël en Secret Santa. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, je te remercie, Eve. Eve. Ouais, hop là, j'ai arrivé. Je te remercie, Eve, qui est le nom, c'est Envie78. Putain, mais je suis... Voilà, je savais que elle s'appelait Eve, mais voilà. Donc je te remercie infiniment, et ça me touche énormément, de tous ces cadeaux. Enfin, je suis extrêmement gâtée. Pour Noël, j'ai eu, pour mon mari, en plus de mon pull super dry que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu une chemise. La chemise, bah, elle est trop petite, donc j'ai dû recommander une...
à ma taille. Elle était pas dans en magasin, donc je l'aurai dans pas longtemps. Mais voilà. Le truc, c'est que j'ose pas lui demander des cadeaux laineux parce que j'en ai un peu trop. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour lui dire « Ouais, non, mais je voudrais de la laine, quoi, ça sympa, mais non, non, il veut pas. » Non, enfin, il veut pas. Non, j'ose pas lui demander, en fait. C'est un peu abusé, quand même. Et enfin, je voulais vous montrer mon dernier cadeau que j'ai reçu lors du tricot resto de Boulogne organisé par Natissea, donc Mathilde, qui se déroule dans une pizzeria à Boulogne, hein, Billancourt. Le premier jeudi du mois. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir eu un Secret Santa. Donc, c'est un Secret Santa organisé pendant le petit repas de Noël, qui était fort sympathique, qui était le 14 décembre dernier. Et j'ai eu la chance d'avoir eu un petit poncho de chez Lily comme tout. Et donc... je savais plus ou moins qui c'était parce que MJ avait emmené Melkouette et j'ai vu qu'elle avait ce petit sac. Et donc c'est tombé sur moi. Et donc j'ai reçu cette jolie petite pelote de chez West Yorkshire Spinner. Donc je me souviens plus du mot spinner, mais je crois que c'est les teinturières. Teinture des Yorkshire de l'Ouest, évidemment. Donc la signature Sparkle 4-ply. Donc une petite laine fort sympathique, donc avec de la petite stellina fort sympathique aussi, hein, qui contient 75% de laine, dont 35% de BFL. Et donc 25, je crois que c'est 25, non, 25, 23% nylon et 2% polyester. Et donc, bon, j'imagine que le polyester, c'est les Stellina. Donc, coloris Silent Night. Et je suis trop contente parce que je voulais tester cette laine-là, autoriante. J'avais acheté la West Yorkshire Spinner en gris normal, tout simple, mais... ça me disait rien. Enfin, je l'ai acheté, mais je l'ai revendu. Et je suis très contente de l'avoir. Et elle est trop, trop belle. Voilà. Et en plus, j'ai reçu... Désolée pour le bruit. Un petit bol à laine. De Sostrengren. Et voilà. Je suis trop contente parce que j'en ai pas. Et je suis trop contente parce que j'en voulais une. Donc ça tombe vachement bien. Voilà. Et la petite cartonnette qui vient de Les Chevaux Solidaires. Arnaud Boutin. Dessin de Arnaud Boutin. Donc voilà. Avec un petit mot de Mélanie, donc de Melkouette. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Hip, là, pardon. Et voilà. Non, j'ai été bien gâtée par les copines de tricot. Et ça me touche énormément. Je suis tombée par bien Mélanie, que je connaissais. Alors, la première fois que je l'ai vue, c'était dans un podcast de O'Kill Tricote, donc Olivier. Et puis après, je l'ai vue un peu plus souvent avec MJ. Sur ses podcasts, tout ça. Et puis moi, je l'ai vu en vrai de vrai. Est-ce que je l'ai vu en vrai de vrai? Souviens-toi. Oui, c'était au tricoté. C'était pour la journée de la journée internationale du tricot en public. Donc c'était le 11 juin 2022. Organisée par Céline, donc sur un fil à Orsay.
Et puis depuis, on s'est revus de temps en temps. On s'est vus la dernière fois au Trail Tricot. Et puis après, à plusieurs tricotés. On s'est vus aussi quand on est allé à l'inauguration, le jour d'après l'inauguration de la mercerie Camomille de Christine, donc l'atelier de Titine. Et puis voilà, on voulait boire un verre dans un bar à Clamart, et il s'avère que les parkings le samedi après-midi sont payants et 25 euros l'heure et demie, j'ai envie de dire non merci. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'appli Play Bye Bye Phone qui fait que ça c'était ce prix là, je ne sais pas, mais voilà. Et donc je l'ai ramené à Meudon chez elle. Et puis on a appris à se connaître, on a papoté, elle m'a offert un thé, et puis voilà quoi, c'était sympa. Et puis ce qui est rigolo, c'est que je travaillais dans l'événementiel, et là où elle travaille, c'était un de mes anciens clients. Donc c'était rigolo, j'ai essayé de voir si on avait des collègues en commun, enfin, mais les clients que j'avais étaient en commun, tout ça. Et puis quand elle parlait de salon et des différents... événements du salon, quoi. Et c'est marrant, j'ai fait l'installation générale au graphisme, donc je l'ai décliné sur l'affiche pour faire les panneaux directionnels, les anciens exposants, des trucs comme ça. C'était très drôle. Bon, voilà. Donc c'était vraiment sympa, et ça me touche énormément de tomber sur son sac à dos. Voilà. Pour ma part, moi j'ai offert un contrat de chez Ars Mirabilia. C'était tout petit, mais au moins ça faisait bizarre parce qu'on voyait les gros cadeaux, tout ça. Je suis ouais, ok, bon, c'était le tout petit. Et puis je savais que quand je suis allée au Ch'ti Bazar, je voulais, vu qu'il y avait un budget assez restreint, c'est pas le mot. C'est un lapsus, mais non, c'est un budget maximum. Et oui, moi j'en parle les mirettes, non, juste assez restreint, l'idiot, oh là là. Non, on avait un budget maximum. Et donc je me suis dit, je savais qu'il fallait que je prenne, je voulais prendre au lieu de la laine, tout ça, je voulais prendre quelque chose de différent, je voulais quelque chose, un accessoire de tricot. Et j'avais pensé à un contrant chez Ars Mirabilia ou des anneaux marqueurs. Et il s'avère que le prix maximum, c'était un contrant. Et donc voilà, je me suis dit, allez hop, je fais plaisir, voilà. Donc j'ai pris des tons, dans les tons rosés. Bon, j'ai pris, c'était le dernier. Oui, je suis arrivée un peu après la guerre, après la bataille. Quand nous sommes arrivés chez Ars Mirabilia, enfin, au Ch'ti Bazar, on arrivait vers 16h30. Et donc, il y avait moins de monde, mais il y avait plus trop le choix non plus dans la boutique de chez Diane. Donc voilà. Non, mais bon, voilà, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé très joli ce contrat, et validé par ma fille aussi. Donc voilà, donc j'ai offert ça, et la personne qui l'a reçu a été très 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 contente, voilà. Donc voilà, en fait, j'ai été bien gâtée pendant ce Noël, quoi, en fait. J'ai reçu tout plein de patrons aussi que je voulais, que j'y voulais dans ma liste de chez sur Ravelry, pardon. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de patrons. Et donc, je suis plus que ravie. Pour celles qui m'ont offert des patrons, je vous remercie infiniment. Ça me touche énormément. C'est vraiment, vraiment, vraiment très gentil de votre part. Ça me touche. Ça me touche, ça me touche. Donc voilà. Donc j'ai hâte de les tricoter. Hein. Et bien sûr, je vois mon petit... Mes petits... je vous montre. Hop là. Là, vous voyez. Coucou la boîte. Tout ça là.
là, et puis là, vous voyez la petite là. Bah, tout ça, il y a plein de laine en fait. Donc, on est bien, on est bien. Hein. On va être assez. On va essayer de trouver quelque chose à faire avec tout ça, même si j'ai des quantités tubles. J'ai des quantités publes qui sont déjà prêts. Mais bon, je suis obligée de prendre d'autres laines pour les patrons que vous m'avez offert. Je suis obligée, quoi. Voilà. Bon, bah, je crois que ça va aller. Hein. Je pense qu'on est dans les 2 heures. Hein. C'est sympa comme petite vidéo de décembre, hein, de la fin de l'année. Donc, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un très bon moment et que vous ayez un peu inspiré de ce que je vais faire et que vous ayez envie d'avoir l'envie de tricoter ce que je tricote parce que non, on n'influence pas grand tout le monde, nous les youtubeurs, on influence ceux qui ont envie d'être influencés, on fait comme ça, on pose les choses, voilà. On pose comme ça et vous faites ce que vous voulez avec, d'accord? Voilà. En attendant de vous revoir, je vous remercie infiniment d'être passé jusque là, pour vos messages adorables encore, merci. Et d'avoir le temps de regarder jusqu'au bout cette vidéo. Et l'envie de me regarder en fait, sur tout ça. J'avoue que ma dernière vidéo n'a pas trop bien... J'ai pas eu beaucoup de vues, malgré mes nombreuses abonnés. Je suis à plus de 1600, enfin 1602, 1603. Bon, j'ai pas eu de nouveaux abonnés depuis ce temps-là. Et j'ai eu 750 vues. C'est pas grave. C'est comme ça. Puis après, voilà, je vous ai dit, les méandres du vlogmas, parle chaos. Voilà. Donc là, je vais vous laisser parce que bon, bah, je suis à plus de 2 heures. Mon mari était pas très content que je fasse cette vidéo aussi longue. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça. Je vais m'occuper de mes enfants. Et je vais vous dire bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo fort sympathique. J'espère en tout cas vous avez passé de belles fêtes, parce que je vais mettre début janvier cette vidéo, parce que je pourrais pas avant. Et j'espère que, de tout cœur, vous avez pu profiter des vôtres. Voilà, et que vous étiez gâtés pour Noël, et que vous ayez passé de très bons moments. Je vais être lourde avec ça. Et voilà, donc je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Mettre un commentaire si vous avez le temps. Mais dans tous les cas, je vous embrasse très fort. Mon fils très vénère parce que il a plus le temps pour jouer à Fortnite. Mais c'est pas grave, voilà, je vous embrasse très très fort, à bientôt, et encore merci pour cette année 2023 que j'ai passée avec plaisir avec vous. Je vous embrasse, à bientôt, bye, et bonne année, Happy New Year, comme dit ma tasse. Bisous.